Pour pouvoir créer une carte avec AutoChart, la première étape c'est de collecter des données. Et pour ce faire, vous allez devoir effectuer un enregistrement avec votre appareil. Je vais vous expliquer comment procéder sur les gammes 800, 900, 1100 et Helix. La première étape, bien évidemment, c'est d'insérer votre carte SD Zero Line dans votre appareil. Une fois votre carte SD insérée dans l'appareil, à l'aide du bouton Exit, vous allez pouvoir naviguer entre les différentes vues afin de vous rendre sur la vue Articles et clichés. C'est dans cette vue que se trouvent toutes vos captures d'écran et vos enregistrements. Ou dans mon cas, comme je n'ai aucune capture d'écran sur ma carte SD, cette vue affiche image introuvable. En appuyant sur le bouton menu, je vais découvrir l'option lancer l'enregistrement. Je valide cette option et ainsi l'enregistrement est lancé. À partir de ce moment-là, je peux utiliser mon appareil en toute normalité pour la navigation. Je retourne sur mes vues sondeur, GPS, toutes mes interactions avec l'appareil n'auront aucune influence sur l'enregistrement. La petite fenêtre qui clignote en haut, marquée enregistrement, nous indique la bonne continuité de notre enregistrement. À tout moment, en appuyant sur le bouton menu, je peux décider d'arrêter l'enregistrement. En retournant dans la vue articles et clichés, je retrouve mon enregistrement avec différentes informations, notamment la date et l'heure de son début. Des informations utiles, notamment pour l'application d'une correction de marée lors de la création de cartes avec le logiciel AutoChart PC.